Quel est donc l'important personnage qui arrive ce matin à l'école française Saint-Patrick à Saint-Jean-de-Terre-Neuve? Le Premier ministre? Le lieutenant-gouverneur? Non, c'est Roquevoisine. Le chanteur, qui est à ce point populaire en France et au Québec qu'il ne peut plus marcher dans la rue, est venu à Terre-Neuve faire la promotion de son nouvel album en anglais. J'ai jamais caché que mes premiers efforts du côté du show business ou de la chanson étaient en anglais. Donc je reviens aux sources, si on veut. Mais ses efforts pour conquérir le marché anglophone ne le font pas oublier ses racines. Et il accepte de rencontrer les quelques 50 élèves de l'école française. Là, c'est le délire. Après les présentations, ce sont les autographes, les photos, et Roquevoisine, en artiste consommé, pousse même la chansonnette avec l'aide des élèves ravis. Pour les enfants plongés à l'année longue dans le milieu anglophone, la rencontre a été magique. Nous autres, on pouvait chanter. Et j'ai eu l'autographe et j'étais tout content. Bye! Une petite visite d'une demi-heure aura peut-être plus fait pour la francophonie terre-neuvienne que tous les encouragements académiques du monde. Une Françoise Angard conquise à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.